11 mois avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les choses avancent bien, selon le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba. Pour le patron de la délégation de la CAF, le bilan est positif après l'état des lieux, des infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires. Sur les 6 stades attendus, 3 sont prêts, Ebimpe, Bouaké et Amoussoukro. Pour les 3 autres stades, Koufouet Boigny, San Pedro et Korogo, il reste des travaux de finition exigés pour répondre au cahier de charges de la CAF. Ils prendront du temps, certes, mais nous sommes convaincus qu'à la fin juin 2023, donc cette année, ces 3 stades pourront être homologués par nos services pour être utilisés pour les matchs CAF ou FIFA. Pour réussir l'organisation de cette compétition, la Côte d'Ivoire effectue des travaux de grande envergure. Les infrastructures que je viens de visiter s'annoncent dignes de la Coupe du Monde de la FIFA. Je confirme aussi que sur tout ce que j'ai vu, les travaux avancent très bien et que la CAN 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Véron Mosengo Omba n'a pas manqué d'adresser ses remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, pour son engagement dans le processus de réussite de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, à travers le COCAN dirigé par Albert-François Amicha, entend offrir à la Côte d'Ivoire en particulier et à l'Afrique en général la meilleure CAN de l'histoire de la compétition.